Bon, présent, bonjour. Bonjour. Et s'il vous plaît, présentez-vous. Moi, je me nomme M. Adato Arasou, président de TDQ, à la Kwame Tankité. Ce matin, vous organisez quelque chose à la Kwame Tankité. De quoi s'agit-il? Depuis trop longtemps, le football. C'est quelque chose qui regroupe les jeunes. Donc dans notre quartier, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'ambiance, aucune activité. Donc c'est ça qui m'a poussé d'organiser ce festival pour regrouper les jeunes et les jeunes par rapport aux valeurs citoyennes. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée même. Et ensuite ce festival, c'est le lancement des activités d'une jeune association que je voulais créer, qui se nomme Natura Solidaris. Ce qui veut dire que vous voulez que dans les jours à venir, ces jeunes puissent participer à l'équipe d'Asfosa de demain, ou bien? Ça peut arriver si les jeunes, prennent les choses au sérieux. Parce que Asfosa, c'est une équipe de paix. Donc, nécessairement, c'est les jeunes de paix qui vont pérenniser cette association. C'est dans ce sens que si parmi eux, il faut trouver les talents pour renforcer notre équipe à Sosa. Aujourd'hui, c'est le lancement. À quand le démarrage même du tournoi? Le tournoi. Non, comme c'est le début, nous voulons faire le festival d'abord pour voir l'ambiance des jeunes du quartier. Parce qu'il y a longtemps que les activités sportives nous manquent. Donc si je vois que les jeunes sont partants, donc prochainement, on peut augmenter le nombre des équipes pour faire un tournoi. Est-ce que vous avez trouvé des moyens financiers pour organiser ça? Présentement, il y a quelques jeunes qui m'aident pour organiser les choses. Mais prochainement, peut-être, les bonnes volontés vont nous rejoindre pour nous financer. Un mot à l'endroit des autorités togolaises. Je leur remercie pour leur travail. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mon Dieu, nos populations, ce n'est pas facile. Ou bien gouverner un peu, ce n'est pas facile. Donc moi, je leur donne le courage de continuer pour le meilleur du Togo. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.